Pardon, Mélanie. Je te jure, c'est pas ce que tu crois. Vivi, regarde ton mec. Il est capacité à faire quoi? On va dormir ensemble. Bonjour à tous et bienvenue chez les Ben. Aujourd'hui on se retrouve pour une grosse vidéo puisqu'on a échangé notre couple avec Bastos et Vivi. Je vous promets que ça va être une vidéo mais énormissime, ça va être une dinguerie. Avant de vous laisser savourer cette petite vidéo sur votre canapé, chill, en compagnie de votre famille, de votre chien, tout ça, j'ai juste une petite question à vous poser. Est-ce que vous savez qu'en moyenne un jeune a le droit à 3 aides financières? Est-ce que vous savez de quoi je vous parle? Admettons par exemple que vous venez de passer votre bac et que vous l'ayez eu avec mention bien sûr. Eh bien, vous avez le droit à une aide financière. Vous avez aussi le droit d'avoir une aide financière si par exemple vous avez changé de région. Vous avez le droit de bénéficier d'une aide financière. Vous avez aussi le droit de bénéficier d'un financement au permis. On connaît tous cette galère de se dire ouais, comment je vais demander à mes parents de me payer le permis, ou alors ouais, il faut que je taffe pour aller payer mon permis, tout ça. Et bien aujourd'hui je vous dis que vous avez le droit d'avoir un financement pour payer votre permis. Plein de choses en fait. Pourquoi? Comment? Ben, je vous le dis tout de suite, c'est grâce à Wisby Money. Wisby Money, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est super simple. C'est un simulateur d'aide financière sur internet. Ça vous prend que 5 minutes top chrono. On peut faire le test ensemble. Vous cliquez juste ici sur le lien là, c'est Wisby, juste là 5 minutes, vous remplissez un petit formulaire. Une fois que vous l'avez rempli, vous allez recevoir tout de suite toutes les aides financières auxquelles vous avez le droit en fait, en direct. D'ailleurs sur ce site, vous avez plus de 400, plus de 400 aides financières qui sont répertoriées, que ce soit régionales ou nationales sur Wisby Money. C'est vraiment juste énorme, c'est lourd et c'est juste Wisby Money, like Wisby Money, Wisby Money. Ok, donc si vous n'avez pas encore compris les gars, vous avez juste à cliquer juste sur le lien là et ça vous prendra que 5 minutes. Je vais me mettre dans la peau d'un étudiant, enfin dans la peau de moi il y a quelques années. Et gros, je suis pas vieux gros, I'm not vieux, mais je vais me mettre dans la peau de moi il y a 10 ans quand j'étais étudiant et je vais faire la simulation sur le site donc de Wisby Money et je vais voir à quelle aide j'aurais le droit d'avoir eu. Ça se trouve j'aurais même pas demander de l'argent à mes parents pour qu'ils me payent le loyer. Je sais même pas en fait à quelle aide j'avais besoin quand j'étais étudiant. C'est tout de suite. Ok les amis, mon pote il vient d'arriver, c'est Yannick de Marie au premier regard. On est sur le site de Money Wisby en direct. Découvrez vite les aides auxquelles vous pouvez prétendre. J'ai oublié de vous dire un truc hyper important. C'est gratuit. Un questionnaire simple, pratique et rapide. Découvrir. Prénom donc Romain. C'est parti. Quelle est votre nationalité? Française. Quelle est votre date de naissance? Quel est votre statut? Bah étudiant. Dans quelle ville habitez-vous actuellement? J'habite à Paris. 5 minutes later. On vient de terminer. 6 927 € par an. Départ 18-25 ans. Aide pour partir en vacances. 50 € par an. Je vous le montre en direct. C'est là. Hein. C'est là. De toute manière, on le voit tout de suite. C'est des choses auxquelles on a le droit. Et la CAF, RSA jeune actif. 500 € par mois pendant 12 mois. Bon bah voilà, j'espère que vous avez kiffé ce début de vidéo. N'hésitez pas à aller voir sur Wisby Money et faites votre test en direct. Ça vous prend moins de 5 minutes. Bonne vidéo. Kiffez bien. À bientôt. Salut les amis. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo accompagnée des Grimaud. C'est nous. Oh, ce qu'on va se mettre. J'ai peur. T'as peur de quoi? Aujourd'hui. Pourquoi t'as peur de moi? Aujourd'hui dans cette vidéo spécialement, on a décidé d'échanger nos couples en quoi, partie 2. T'es mon mec today, viens là mon gars. Ouais, moi j'étais censé genre, tu vois. Mais baby, je prends juste ta meuf 24 heures, ça va? Mais baby, allez viens mon petit. Mais moi je pense que ça va être chill, mais toi c'est une horreur. Juste deux secondes, attends, je dis juste un truc à Bassos. Deux secondes. Alors je t'explique. T'inquiète pas, tout va aller bien. Je ne veux pas serrer ton mec vu que mon mec à moi est l'homme de ma vie. Elle est chiante. Avec ça? Ouais, et je pense qu'elle t'a préparé 2-3 petits coups. Non, je suis pas sponsorisé hein, moi, pour faire cette vidéo. Il va être adorable avec toi et en plus tu vas me remercier à la fin de cette vidéo. Oui, parce qu'il va me récupérer, il va certainement me trouver super sympa. Exactement, ah, c'est et surtout, je te souhaite bonne chance, bon courage. Ta meuf, elle est cool? Ah oui, c'est pour ça que je l'ai choisie comme meuf en fait. J'ai préparé ça. Wow. Capacité et approbation. Et la tienne, elle est cool? Elle est très cool. Ça veut dire que toute la journée, je vais aller en espionnage pour savoir que si Bastos est le mec idéal. Je pars en espionnerie, en espionnage. Moi, c'est... Toi, t'es une vraie copine, toi. Genre là, Bastos, il est pas serein, genre. Ça va, mec? Ouais, mais en plus, tu as une carte, elle est bloquée déjà. Ma carte perso, elle est bloquée. J'ai fait trop de dépenses avec Victoria. Ça me fait de la peine pour lui en fait. T'as pris ta carte? Elle va pas me servir. Ciao. Mon petit Bastos. Oui. Peut-être que tu ne le sais pas, mais je suis un chouïa fétichiste. Fétichiste carrément. Oh oui, j'adore les pieds. Donc là, je t'emmène voir ma copine Irina. Bonjour. Qui va essayer de voir si tu as des beaux pieds ou non.
En plus, je me suis blessé le pied il y a pas longtemps. Tu sais pourquoi tu peux pas le faire? Parce que vraiment, on va me voir les seins. Non, mais la vie de ma mère, je monte pas là-dedans. Je te dis, je monte pas là-dedans. Si. Vas-y, si. On y va. Je suis un bébé, je vais me rouler par terre. C'est Irina qui la juge. Exactement. De Miguel, sois objective, vraiment. D'accord. Est-ce que j'ai des beaux pieds? Non, pas du tout. Pas du tout? Non. Pas du tout? Non, ça va pas du tout. Franchement, Irina, c'est hyper relaxant. J'avais jamais fait ça. C'est très agréable. Au moins, quand je te rendrai à ta meuf, t'auras des beaux pieds. Tu penseras à moi quand je lui mettrai tes pieds quelque part. C'est quand même doucement. Franchement, il est horrible ton ongle. Non, mais là, t'exagères. Non, ah non, non, t'es, c'est vraiment sale. Hein. Pourquoi il est horrible? Mais regarde, Irina, c'est sale? Oui. Irina, je prends deux bains par jour. C'est sale, c'est pas beau. Donc, les amis, comme vous avez vu, Bastos à ma droite, l'intelligence, zéro. La conduite, c'est mou. Oh bah c'est mou, là, l'élément de comparaison de la meuf, quoi. Vous faire ça? Tu veux faire quoi? Ça. Tu veux vraiment faire ça? Mais non, mais ils vont m'interdire, je suis trop lourde. Je te respecte, tu le fais. Je vais tout, mais je vais faire. Il y a mes gestes barrières. Ah, ah oui. Reste près de moi. Mélanie, pardon, Mélanie. Je te jure, c'est pas ce que tu crois. Voilà. Maintenant que je t'ai rangé des pieds présentables, magnifique, j'irais même jusqu'à dire. Franchement, on va faire une activité que j'adore. Oh, que trop bien, respecte. J'ai trop hâte. Oh, shopping. C'est les Champs-Élysées. H&M. Non. Adidas. Non. On va garer la paillette. De toute façon, t'inquiète pas. Les amis. On pourrait mettre en frais de société. Ah, oh bah merci, vous savez bien, j'ai le droit de payer avec ma carte de société, super. Fais la démarche, vas-y, démarche, démarche. Ouais. Qu'est-ce qu'il a? Bah, on est ensemble. Ok, donc là, je vais essayer de te gagner un nounours. C'est bien ou pas? Il a plutôt intérêt à me le gagner parce que sinon, je vais te noter zéro la bulle. Je vais jouer pour le nounours. Tu veux, tu peux me gagner une petite peluche. Et la petite peluche? Ouais, il me calcule même pas, genre. Est-ce que tu sens ta carte bleue chauffer? On va quand même faire doucement. Parce que j'ai pas envie d'être ruiné pour une vidéo YouTube de l'échange de couple. Moi, Mélanie, je vais jamais faire du shopping. Jamais. Je rentre jamais dans un magasin. Tu portes pas des sacs? Bah non, je suis pas une fille. Allez, viens. On va faire les boutiques. Qu'est-ce que tu vas m'acheter aujourd'hui? Oh mon dieu, ça coûte cher les trucs que tu vas me faire acheter? Bah ça dépend, tu veux que ta femme elle soit bien ou dégueulasse? Bah pas trop cher. On va pas acheter un sac à main c'est très cher. Non, je vais pas abuser, je suis raisonnable. On va acheter une robe ou des chaussures? Oh non. On va continuer, on va pas aller chez Vaillé Seille. Bah si, pourquoi? Bah, c'est ma marque préférée, regarde comme mon sac. C'est un Saint-Laurent. Moi aussi, c'est ma marque préférée. Ah, un point commun, c'est bien. Maintenant, on a des beaux pieds tous les deux. Oh là là. Non, reviens. Je suis chargé. Take care of you, ma vie. Voyons voir si Bastos est généreux ou c'est un rat d'infini. Une pinza del crabo. Alors, je vous explique. Je cherche quelque chose à acheter. Ok, c'est bien. Mais je sais pas quoi. Un truc sympa. Y'a rien. Bah, c'est celui qui me l'offre. Il est obligé. Si vous avez rien, c'est pas grave. Faut que vous me trouviez un truc sympathique que je peux porter ce soir. Un truc un peu cher. Donc, on va aller au deuxième étage. Parce que c'est là, il y a les chaussures. Moi, je vais vous laisser aller au deuxième étage toute seule. Non, tu restes là. Quoi qu'il arrive, j'ai besoin d'un conseiller. Ça marche comment? Voilà! Deux d'un coup! T'en as eu deux d'un coup? Oui! Et c'est à partir de combien de ballons que t'as une peluche? 12 ballons! Au pire, on peut pas l'acheter direct, la peluche? Viens, on l'achète direct! Ouais! Quel stock! Non? Tu vois, moi, mettre mes pieds dedans? Franchement, regarde, et puis c'est hyper doux ici, et genre c'est aérodynamique. Non, t'es sûr? Oui, je suis sûr. Allez, next. Eh ben, vous savez quoi, Romain? La tête de ma mère, il a un talent, il fait tous les ballons. Est-ce que t'as un passif dans le tir à main armée? Ouais, à l'ancienne, ouais. C'est bien là! Vas-y! Wouh! Tu en as eu un ou pas? Bah ben, non. Allez, vas-y! J'arrête! C'est sympa ça, c'est mignon. Je le prends? Moi, non. Merci mon cœur. C'est mon cadeau. Ouais, bah t'énerves pas, Juliette, tu vois. On va toujours à gueuler les bonnes femmes. Ça m'appartient. Tu prends lequel? La petite pieuvre. Vu que c'est les pieuvres contentes et pas contentes, je pourrais noter mon humeur suivant les activités que tu me proposes. J'adore.
Une petite robe en cuir. Vérification du prix. Ouh, je vais transpirer. C'est combien? Ah oui. Je vais poser un genou à terre. Ah oui, d'accord. Ah, t'es pas contente là? Si. Si, là, je suis contente. Donc vas-y, fais la meuf contente. Fais la meuf contente. Fais la meuf pas contente. Ah, je sais pas, tu m'as dit que tu savais taper. J'ai menti. Ouais. Y'a un bail là. Bah alors mon cœur. Tu veux que je te le porte, chérie? Oui, s'il te plaît. Bon, tu te sens plus léger? Non, très très lourd. En tout cas, merci mon amour. C'était avec plaisir. T'es le meilleur des chéris. C'était avec plaisir, super. Moi j'imagine le... Ah ouais! J'ai blague! Oh putain! Bientôt! Bon, Romain, sans grande surprise, tu m'as battu. Mais avoue que le kick, tu ne t'y attendais pas. Il est vraiment pas mal. Ah, genre, il n'y a pas beaucoup de force, mais il est sympa. Donc là, on peut dire Bastos généreux. J'ai 10 sur 10 là. 1 sur 10 bah non, c'est un bon point. Ah ok, 1 c'est un bon point. Bah oui. Ok. Maintenant, on va tester tes capacités. Mes capacités à faire quoi? On va dormir ensemble. Sexuelle? Non, quand même pas, abuse pas. Tu fais quoi? Je t'ai laissé 2 minutes, tu fais quoi? J'ai essayé d'avoir des cadeaux par moi-même. Parce que je suis pas une michetée, tu vois. Madame, j'ai gagné, j'en ai eu 10. T'as pris quoi là? Une trompette. Elle me déteste, Nathan. Oui, déteste les gens, genre, tu sais, dans les stands. Ouais, je sais pas pourquoi. Tu sais pas pourquoi. Je me supporte avec la voiture, appuie je n'arrive plus. Sur le frein que je démarre. J'arrive plus à enlever la clé. Ah, trop bien. Là, je marque des points ou comment ça se passe? Oui, je te mettrai un point pour la voiture. En sauvetage. Les amis, comme vous le savez, moi, ma mère, je suis obligée de la présenter à tous mes copains. Moi, merci. Donc j'ai besoin d'une validation de ma maman pour savoir si Bastos est un bon mec. Comme vous l'avez vu toute la journée, j'ai fait le Bastos test. Alors maman, qu'est-ce que tu penses de Bastos? Rien, je le connais pas. Mais bon, en apparence, ça va, ça passe. Merci. Je le trouve beau? Oui, ça va, ça passe. Merci beaucoup, belle maman. Voilà. Les tatouages? Non, pas du tout. C'est rédhibitoire. Oh là là. Ah non, pas du tout. J'en ai sur les paupières. Non, mais il est où? Bon, maman. Il est trop parfait. Ça cache quelque chose. Voilà, elle est où la couille? C'est qu'il a une femme déjà. Et il a des tatouages. Ouais. Donc c'est non définitif. Il est où le suivant? Maman a dit au suivant, Bastos. Next. Voilà, nous allons dormir maintenant tous les deux pour tester quand mais même. Mais pas du tout. Non, et non. Tu le rends à sa femme. Oui, demain je le rends à sa femme. Le test, belle maman. C'est 1. Moins 10. La meuf elle est juste chiante. Ah mais j'ai pas le droit d'aller là-bas, ok. Je l'ai. Non mais les gars, guettez la probabilité. Elle a tiré une ficelle, elle a chopé un caca. Genre, elle a vraiment chopé un caca. Tu sais qu'en plus Mélanie elle m'a dit qu'elle avait fouillé dans le téléphone de Bastien. Je suis pas au courant de ce qu'elle vient de dire. T'as pris flamant rose? Ben j'ai troqué les trois petites parce qu'il y avait une merde dedans, ouais. Contre un joli flamant rose. Bon, du coup, on a fait v'là les jeux. Et là j'ai un petit creux. Et j'ai une surprise pour toi. On va chiller à la maison. On va se prendre des petits pop-corn et tout, des churros. Moi, je veux un truc avec du Nutella. Merci. Ouais, ça va, toujours plus. Donc, c'est moi qui porte tout. Où elle m'emmène? Si j'avais su, j'allais devoir me cultiver. C'est fermé. Elle essaye de faire la cultiver, elle sait même pas à quelle heure ça ferme. À cause de qui on est en retard? Bastos? Oui. À cause de toi, on est en retard. Pardon? L'intelligence, zéro. Ah bah non, mais moi je savais même pas où on allait. Mais quoi qu'il arrive, un musée. Je vais pas te le dire, mais je savais que ça fermait. Je voulais pas te le dire. Bah mon cœur, tu veux pas avoir le prix? Non. T'as peur de la crise cardiaque? Je suis déjà un petit peu essoufflé là. On va peut-être me ménager un peu. Vas-y mon cœur. T'es sûr vraiment? Oh oui, je suis sûr. T'as peur du paiement refusé? Après cette journée, je pense que je suis en droit de penser d'avoir peur. Moi j'ai même pas besoin de me changer, je suis déjà en pyjama. Frérot, c'est vrai que t'es en pyjama, mais t'es stylé. Ah, t'es au max là. Doigts de pied éventail, jogging, down. Il met vraiment bien le type. On vient d'arriver à la maison, Netflix, chill, petit popcorn. Et on commence par un petit jeu du popcorn sympathique. Rio? Non. Qu'est-ce que tu fais gros? Non. Ma peluche. Quel bail gros, tu joues à quoi? T'es qui? Voilà mon amour, où nous allons séjourner notre nuit. Un de mes hôtels favoris. Mais y'a qu'un lit? Bah oui, y'a qu'un lit. Et du coup, moi, je vais dormir où? Dans la baignoire.
Elle est très grande. Ça va, elle est grande, elle est grande. Elle est super. Les amis, c'est l'heure de se coucher. Bastos veut dormir comme ça à côté de moi. Vivi, regarde ton mec. C'est pas moi qui veux, c'est ta vidéo. Hein. Je suis obligé, en fait, tout ce que je fais là, c'est sous la contrainte. Alors, je te préviens, t'as vu ça? On va s'en servir comme barrière de sécurité. Ah, mais de toute manière, chérie, you can't touch me. Allez, au dodo.